L'élément primordial pour réussir au toc à la nymphe est de maîtriser la gestuelle de lancer. En maîtrisant la gestuelle de lancer, on va pouvoir lancer extrêmement précis et loin, donc atteindre des poissons qui n'ont pas l'habitude d'être pêchés. Pour ce faire, il y a quand même une gestuelle à respecter. Je me propose de vous l'expliquer maintenant. Nous allons démarrer avec autant, quasiment autant, de longueur de fil que de canne. Vous voyez, là j'ai quasiment autant de longueur que de fil que de canne. Nous allons ouvrir le pick-up, bien évidemment, et ramener la canne haute derrière nous. Si vous amenez la canne basse, vous allez voir, ça ne marche pas. Donc tant que c'est possible, si on n'est pas gêné par l'encombrement, on ramène la canne haute. Et nous allons partir dans un mouvement avant en baissant la canne et en donnant un coup de poignet. Ce qui donne, j'amène la ligne derrière moi dans le même mouvement, je lance. Nous amenons la canne droite derrière nous, nous partons canne basse et coup de poignet. Et ma ligne est ainsi en place. Quasiment autant de longueur de fil que de canne, j'amène la canne droite derrière moi et dans le même mouvement, canne basse et coup de poignet.